Contente de vous retrouver, Marie-Christine Bélanger pour Monde Marie-Belle. Aujourd'hui, j'ai encore la chance de recevoir quelqu'un en entrevue, Philippe. Hello. Bonjour Philippe. Philippe est un autre homme qui vient prendre la parole sur son hypersensibilité. Donc, je suis très honorée parce que, bon, c'est 20% de la population qui est hypersensible, 50% hommes, 50% femmes, mais des fois, les hommes s'assument un petit peu moins dans le thème d'hypersensibilité, ce qui est tout à fait normal. On est ici pour en parler. Toi, est-ce que ça fait longtemps que tu as pris connaissance de cette condition-là? Ben, d'une façon oui, d'une façon non. Je dirais que ça fait longtemps que je me considère sensible. Okay. Mais j'aurais pas pensé hyper sensible. Okay. J'ai une amie Facebook qui m'a parlé de ça un moment donné, me disant, ah, regarde tel livre, Highly Sensitive Person in Love, quelque chose comme ça. Oui. Puis je lisais au début, puis moi, ouais, je vois des choses qui me ressemblent. Et donc, je dis, oh, non, il me semble que non, c'est pas vrai. Là, il y a un petit test. Donc, on parle du livre Highly Sensitive Person in Love de Ellen Aron. Je vais vous mettre la référence dans la barre d'infos. Très intéressant. Mm-hmm. Et puis là, j'ai fait le test et puis j'ai fait ah, OK. 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 Et puis, j'ai pas fini le livre, là, mais je dirais qu'effectivement, en lisant ça, ça a expliqué des choses. Oui, ça a confirmé des choses. Des fois, on pense qu'on se comprend bien. Mm-hmm. On sait qu'il y a toujours d'autres choses à apprendre, mais ah, oui. Qui est de voir des cas, des exemples, oui. Puis que ça, telle chose, mais c'est relié à tel. Okay. Ça, effectivement. Fait que c'est nouveau pour moi de vraiment pouvoir dire le label, l'hypersensibilité. Ouais. Puis okay. Ça permet des fois justement de dire, ben OK, on s'accepte plus pour certaines choses, on dit, ben c'est ça, puis il y a des avantages, des désavantages. Parlons-en. Est-ce que tu aurais des avantages? On commence toujours par la côté positive. Est-ce qu'il y a des côtés positifs, tu trouves, à être hypersensible, au fait d'être hypersensible? Je pense que le côté le plus intéressant que je vois, moi, c'est tout ce qui est la beauté. Mm. On voit la beauté de la nature, on voit les beaux-arts, on voit la rivière, la musique. La musique est une grosse partie dans ma vie. J'ai même étudié en musique pendant un temps. Je dirais aussi quelque chose qui est bon et peut-être moins bon des fois, la sensibilité par rapport aux gens. Oui. Dans le sens de la réaction, les émotions, les énergies des gens. Ce que tu perçois. Oui, c'est ça. C'est que des fois, on est sensible, donc un commentaire bénin pour quelqu'un pourrait être comme... Oui, ça c'est dans les côtés, les côtés plus... J'aime pas dire côté négatif. J'aime dire quels sont les défis d'être hypersensible. Donc, on est sensible à la critique, mm-hmm. aux commentaires, aux... Mm-hmm. Oui, ça c'est vrai, hein? Ou aux énergies, peut-être comme... On parlait des conflits, je pense aussi, hein? Oui. On réagit très difficilement au conflit parce qu'on c'est sent... Les conflits. C'est ça, hein? Oui. OK. Des fois, je me demande, ça c'est une des choses où je suis un peu sur la... Je suis pas toujours convaincu si c'est vraiment ça. Des fois, j'ai l'impression que... Je perçois l'intention réelle que même la personne elle-même ne perçoit pas. On va en parler longtemps, ça. Ce qui fait, mais c'est comme inconscient aussi. Oui, dans le sens qui fait que je comprends pas pourquoi ça clique pas autant avec telle personne ou que je réagis pas bien dans telle situation avec telle personne ou peu importe la personne. Et puis des fois, ça m'arrive d'être un petit peu plus... des fois, je repense des choses qui sont arrivées puis je fais comme... Ouais, mais dans le fond, hein, est-ce que cette personne-là... Dégager. Essaie d'aller chercher, dans le fond, je le ressens, puis ça, c'est pas ça que la personne présente, puis là, on dirait qu'aussitôt qu'il y a une fausseté, en interne, mm-hmm. J'ai comme une allergie. Hein. Oui, ça, c'est assez nouveau, vraiment, de comprendre ça. Tu sais, comme il y a beaucoup de partages sur Facebook, des citations, puis des fois, je comprends le message qui est en arrière, mais... Mm. La façon, souvent, tout aujourd'hui, c'est tout dans une petite boîte noire et blanc, puis c'est la vérité absolue, puis c'est juste ça. Oui. Bon.
Des fois, je trouve que ça justement, c'est trop catégorique, c'est trop imposer une idée qui amène à une autre sensibilité de avec des gens qui ont des convictions très fortes puis qui ont qui un peu agressifs pour moi. Oui. Qui t'imposent leurs idées. C'est ça. Pour toi, tu as une certaine réaction de recul ou de repli par rapport à des personnes qui sont très carrées dans leurs idées ou qui essaient de les imposer même? Oui. Okay. J'ai tendance à me retirer, me replier. Je suis pas quelqu'un qui va avoir tellement des convictions puis qui va vouloir imposer. Quelqu'un m'appelle qui a une difficulté émotionnelle, mais ça ne sert pas de style de dire « Ah, ça va bien aller, puis vous faites ci, vous faites ça. » Il faut plutôt être dans l'écoute. Oui. Je pense que ça va être un autre côté qui fait partie de la sensibilité. Oui, l'empathie. Oui, c'est ça. C'est vraiment, l'empathie est une des caractéristiques des gens qui sont hypersensibles. Donc, c'est vraiment d'être capable de se mettre à la place de l'autre, parfois trop. Je ne sais pas si ça t'arrive. C'était la prochaine idée qui me venait, genre... Un autre défi. Oui, c'est un autre défi. Mettre des limites. Ça, je pense que je vais avoir une vidéo complète. Comment apprendre à mettre des limites et à les respecter? Ça m'appartient. Ça, c'est à l'autre. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'effectivement, je pense que pour quelqu'un qui est très sensible, je reviens à vous l'exemple de tantôt. Un ami, un frère, une soeur, ou n'importe qui, un collègue qui va pas bien, puis on discute, puis on l'écoute, puis on danse dans la douleur de l'autre, puis on se retrouve être tout, excusez le vocabulaire, mais très... non. Cherchons un terme, on sent pas bien. Non, c'est ça. Tout à l'envers. Oui, bien, envahi par les émotions de l'autre, déjà, ça exprime très bien, physiquement aussi, hein? Oui, certainement. C'est ça. Même que des choses que j'ai compris dans les dernières années, dans l'école de ce que j'appelle l'école de Filmery, très bonne amie, à un moment donné, je me suis rendu compte comment j'entrais dans le monde de l'autre, comme dans la discussion, ce qui faisait que j'étais plus... C'est pas une bonne écoute, c'est ça, parce que je fais juste être dans l'univers de l'autre. Oui. Il n'y a plus de place pour moi, dans le fond. Non. C'est pas vraiment une bonne écoute, c'est trop une trop bonne écoute. Mais ça, dans son livre, elle en parle beaucoup d'ailleurs. Hein? Okay. C'est ça, oui. Il y a une partie vraiment sur les communications. Puis, oui, c'est ça. Comment apprendre. C'est sûr que je dirais aussi que c'est pas la même façon d'entrer en communication avec une personne hypersensible, si on est deux hypersensibles face à face, ou avec une personne qui est non hypersensible. Mm-hmm. Fait que ça aussi, c'est. Ouais. Deux façons, je te dirais, d'apprivoiser la communication. Ça prend des outils, peut-être. En être conscient, je pense que c'est important. Oui, c'est ça. Encore des choses, je vais continuer à lire le livre. C'est bon. écoutez les capsules! Je vais essayer de donner des trucs. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Fait qu'on a parlé des côtés. On a parlé des côtés négatifs, dans le fond, côté positif. Négatif. Est-ce que pour toi, tu as des stratégies, des techniques, des choses que t'as essayé pour te protéger, te recentrer, te reposer, te ressourcer? Je dirais peut-être, j'ai peut-être effectivement un peu de manque à ce niveau-là, mais des fois en discutant, on se rend compte, ah ben oui, je fais telle chose. Oui. Des fois, par exemple, on est sensible à la présence des gens autour de nous. Puis de tu disais, tu te ressentais, effectivement, je pense. Des fois, je disais tantôt, on a tendance à trop sortir. Oui. On dirait qu'on cherche quelque chose à l'extérieur de soi. Oui. C'est dur à décrire. C'est vraiment un feeling de pas être centré. Oui. Je pense de pouvoir juste dire, oh, ta minute là, je suis trop éparpillé. C'est ça. Ce qui se passe au-dessus de moi, puis juste se revenir. Puis... Oui, c'est ça. La respiration. Ça, connaître. Sinon, mais effectivement, je pense d'en être conscient de cette sensibilité-là, puis de différence de l'interaction que ça peut causer. Ouais, déjà d'être capable d'observer nos changements de comportement ou d'humeur rapide des fois, que ça soit juste, je sais que toi tu prends beaucoup les transports en commun, mais des fois, moi aussi, si je suis dans le métro, si j'étais bien de bonne humeur avant d'entrer dans le wagon, puis tout d'un coup je m'assois, puis j'ai une grosse mauvaise humeur, mais ça se peut que je sois en train de capter la mauvaise humeur de la personne à côté si je me suis pas fait ma bulle. Fait que
ça peut être une stratégie aussi, là, tu sais. Ouais. Je pense que tu passes beaucoup de temps dans la nature aussi, fait que ça, quand même, c'est une, oui, bonne, belle et bonne stratégie, là. Je le fais pas assez, en fait. Non, mais même mais si tu le fais... Oui, c'est des choses que je pense où la sensibilité, justement, est de mon côté. Oui. Ça me fait du bien d'aller marcher dans la montagne, oui, tranquille. C'est le fun d'aller marcher avec quelqu'un, mais des fois aussi d'aller marcher tout seul, son, oui, propre vide, pour être vraiment en contact. Sans vue, juste, oui, hein? Oui, oui. Être dans la nature. Oui, exactement. Je me souviens des fois de ressortir de la montagne puis de comme avoir comme un high, là. Oui. Ouf! Il y a un contraste avec la ville, le beat, là, tout le monde marche. Ouh, je trouve qu'il y a des gros manques de respect. On parlait de peut-être sensibilité par rapport aux gens, mais je trouve tellement que les gens sont déconnectés en ville. Là. Oui. C'est difficile, ça, des choses que je trouve difficiles. Mmh. On parle de bulles, là, c'est une expérience un peu comique. Cette semaine, je marchais auprès du bureau, j'arrive au coin de la rue, il y a des gens. Mais d'un coup, il y a quelqu'un qui se met à côté de moi, c'est comme... Pourquoi il est proche comme ça, là? Il était dans ma bulle, là. C'est genre, oui, ça, dans ma bulle, c'est ça, OK. Comme là, je me rends compte, c'est quelqu'un que je connais, puis elle a fait exprès. Ah, OK, OK. Et puis, le lendemain, j'ai voulu faire la même chose, mais il n'y avait pas de place. OK. Mais oui, se faire comme une espèce de bulle, ouais, ça aide beaucoup, là, ça, c'est sûr. Est-ce que... En terminant, tu aurais peut-être quelque chose que tu aimerais exprimer, ben, particulièrement aux messieurs, peut-être, qui n'osent pas prendre la parole comme tu le fais. Quelque chose que tu aimerais qu'ils sachent pour soit les encourager à prendre la parole ou pour comprendre un peu plus c'est quoi être hypersensible. Mm-hmm. Ben, je dirais, je pense qu'il vient en premier, c'est pour ceux qui le sont. Mais que c'est peut-être un peu nouveau, qu'on ne connaisse pas le sujet ou qu'ils ne réalisent pas ce que ça a été, mais de prendre la peine de s'informer, oui, sur ça et puis de s'accepter là-dedans. Parce que, tu sais, c'est connu, hein, la société, les hommes, c'est des hommes, oui, les femmes, c'est des femmes. je pense que c'est de plus en plus ouvert, mais quand, oui, même. Un homme, il y a beaucoup de stéréotypes encore. Oui, oui. Oui. Je pense que c'est pas toujours facile d'être, sensible, oui, en tant qu'homme, oui, dans le monde de, on a parlé du monde d'affaires, le travail, oui, tout ça. À un moment donné, d'être naturel dans ça, mais on est les gens viennent qui est habitué, oui, un petit côté, là, un petit peu plus farfelu des fois, ça passe par les mots. Oui, c'est vrai. Oui, on peut beaucoup désamorcer par le mot, t'as raison. Donc, je pense que ce serait ça que t'aimerais dire. Pour les ceux qui ne le sont pas, ben, alors, ouais, j'ai pas grand chose à dire. Donc, ben, peut-être juste se rappeler de, si vous avez vu cette vidéo-là, déjà de voir. Ouais. Ah, ben oui, il y a différents types de personnes. Il y a quelque, ouais, chose qu'il y avait dans le livre que j'ai trouvé super intéressant. Ça existe dans la nature, ça. C'est deux, oui, types dans les animaux. C'est vrai. T'as l'animal qui est toujours aguet, qui fait attention, puis t'as l'animal qui est plutôt celui qui fonce. Oui. Puis ils expliquent comment. Les deux sont nécessaires. Oui. Si t'as juste des fonceurs qui vont tous sauter en bas de la falaise, ben... C'est ça. Si t'as juste ceux qui ont juste analysé, oui, toujours porter attention à ce qui se passe, ça avance pas autant nécessairement. Ça fait, mm-hmm, un. Donc je pense que intégrer... On parle beaucoup de réintégrer dans le monde de la société, le côté féminin, mais je pense que c'est ça aussi. Oui. Trouver un meilleur équilibre. Donc être ouvert un peu à... autre chose que juste le côté agressif de l'être humain. Hein. Oui, beaucoup trop de violence et d'agression dans cette petite planète, mm-hmm, en effet. C'est pour ça qu'on prend la parole, les hypersensibles! Attention, on arrive! Et merci pour cette rencontre-là, oui, Philippe. Merci à toi. Vraiment, j'apprécie énormément ton courage. Avec plaisir. Oui. Je salue ton courage. Merci. Ça va sûrement aider plusieurs. Je suis certaine. J'espère. C'est pour ça que je le fais. Donc, je vous invite à commenter cette vidéo si vous avez des questions. On va répondre à vos questions. Partagez la vidéo pour que le plus de personnes, ben, peut-être se rendent compte qu'elles sont normales. 20% quand même de population, c'est quand même beaucoup. Puis, ben, c'est ça. Abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.